7 minutes pour concevoir un projet culturel de territoire. Et vous, qui êtes-vous ? Je suis Célia Sanchez, je travaille à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde en tant que responsable du service culture. La compétence culture est présente depuis le début de la création de la communauté de communes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une compétence culture assez étoffée avec 14 médiathèques qui maillent l'ensemble du territoire, avec l'enseignement musical. Donc là, on a 3 sites d'enseignement qui sont répartis également sur le territoire, avec un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle qui existe depuis 2015. Donc tout un programme d'action d'éducation artistique et culturelle et une programmation de spectacles vivants et tout l'accompagnement à la vie, au développement de la vie culturelle et artistique locale. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment on a travaillé et pensé le projet culturel de territoire de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Projet culturel de territoire. Un projet culturel de territoire est un outil de cadrage permettant de conduire une politique publique en matière de culture sur un territoire. Impliquant plusieurs parties prenantes tournées vers des objectifs communs, le projet se déploie sur des territoires à échelle variable, avec une approche globale et stratégique du secteur culturel. On a choisi de travailler avec les acteurs éducatifs, sociaux, culturels bien évidemment, mais aussi économiques du territoire pour croiser les regards, avoir des profils pluriels, puisque pour nous l'enjeu c'était vraiment de faire territoire ensemble et du coup d'avoir des regards comme ça d'endroits différents du territoire. Je sais que pour les élus ça a été l'occasion aussi pour eux d'entendre des choses qu'ils n'avaient pas entendues. Mon vice-président m'a dit que pour lui c'était l'occasion d'entendre une vraie parole libérée. Et c'est aussi l'opportunité de faire se rencontrer les acteurs d'un territoire. Nous, on est sur un territoire qui est assez vaste. Tous les acteurs ne se connaissent pas. Il y a des bassins de vie, on a 4 bassins de vie sur notre territoire. Ça leur a permis de se rencontrer et d'échanger sur des choses plutôt fondamentales dans leur activité, dans leur pratique et dans leur vie de tous les jours. Et par quoi on commence ? Donc dans notre cas, le projet culturel de territoire s'est décliné en 3 temps. Le premier temps qui était donc le travail préparatoire, qui est un temps plutôt long, peut-être anormalement long puisqu'on a traversé 2 années de crise sanitaire. Pour ce faire, notre premier geste pour enclencher ce processus, ça a été de nous tourner vers un partenaire extérieur, et en l'occurrence l'IDAC, qui est présent sur notre territoire depuis la création de la compétence culture. Donc l'IDAC nous a permis de mieux cerner notre démarche et de réfléchir sur la mobilisation des moyens financiers. Donc, on a rédigé un cahier des charges avec l'IDAC pour aller chercher un prestataire extérieur, spécialiste de tout ce qui va être intelligence collective, innovation, pour nous accompagner vraiment sur la mise en œuvre de la démarche du projet culturel. Donc ça, c'est une étape, et on a ensuite impliqué véritablement les élus dans le travail. C'est-à-dire qu'on est allé leur demander de faire un travail de recensement, chacun dans leur commune, pour identifier quelle était l'offre culturelle existante. Donc on a pu travailler conjointement vraiment la mise en œuvre. Donc là, c'est vraiment la deuxième étape où on passe à l'acte, on va sur le terrain et on a mis en œuvre un programme d'ateliers thématiques qui avaient été sélectionnées par les élus comme étant des enjeux importants pour le territoire. Les spécificités culturelles du territoire, les freins d'accès à la culture, la coopération, la communication et la mixité sociale. Et à l'issue des ateliers, on a mis en place un séminaire d'une journée entière qui va rassembler l'ensemble des participants pour pouvoir dégager les grandes orientations du futur projet culturel de territoire. Puis ensuite, il y aura la phase de validation et de formalisation du projet, donc validation par les élus, qui aura lieu en janvier 2023, et écriture du projet culturel de territoire, qui nous amènera jusqu'à juin 2023. Trois conseils avant de se lancer ? Ne pas avoir peur de la remise en question, puisqu'il va bien s'agir de ça, de toute façon. Ne pas avoir peur de l'expression des utopies.
parce que les gens viennent et expriment des choses qui sont parfois, qui nous paraissent parfois infaisables, mais qui pour autant sont l'expression d'un besoin sur le territoire. Savoir réajuster les choses aussi en cours de route. Dans le cadre du processus, il est important de pouvoir se donner le temps, poser des objectifs qui vont être atteignables et tenables, mais aussi de se dire, ben là, peut-être qu'on n'est pas parti au bon endroit, et de se laisser la possibilité de réajuster. Et un mot de la fin ? Toute cette phase de processus participatif est vraiment quelque chose qu'on vit, enfin en tout cas que moi j'ai vécu de l'intérieur et qui peut faire bouger les places et nous permettre de nous resituer différemment en tant qu'acteur d'un service public.